Et salut tout le monde, comment allez-vous bien? Ah bon bah il y a déjà un petit peu de monde, salut Cédric, comment ça va-t-il bien? Bon, comme son nom l'indique, hein, on se retrouve sur Balkanskar Sarma, la nouvelle petite map qui est sortie il y a 2 jours. Bon, vous allez voir, j'ai déjà un peu bossé dessus pour ceux qui l'ont déjà découvert. Bah. Il faut bosser un peu. Du coup, bah, nouvelle mini-série qu'on verra sûrement le matin ou l'après-midi de temps en temps. Ce sera essentiellement du solo, avec quelques invités occasionnels de temps en temps. Que dire d'autre? Bah, toute petite map. On va se mettre déjà le PDA, vous allez voir un petit peu l'ampleur du délire. Alors là, jusque-là, ça va. Si on regarde comme ça, on se dit, wow, c'est pas très grand. Maintenant, si je mets le PDA au max, c'est tout petit, hein. Voilà. On pourrait presque la sortir du PDA, tellement elle est petite. Donc voilà. Voilà, c'est vraiment une micro-map. Micro-micro-map. Les champs coûtent que dalle, hein, ça va. Donc, j'ai déjà, bah, du coup. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, j'ai quelques parcelles. Alors, il y a plein de magasins, il y a plein de points de vente. Bon, c'est fait un petit peu de manière. Ça fait un petit peu des points comme ça. Vous avez un point de vente, vous avez une clôture autour. Bon, c'est mignonnet. C'est pas ce qu'il y a de plus réaliste, mais bon, ça a l'avantage de ne pas être trop loin. Ça a l'avantage d'être quand même un peu éparpillé. C'est pas tout localisé au même endroit. Et puis voilà. Bon, alors moi, ma ferme, par contre. Voilà, bon, là, j'ai oublié d'enlever une souche, bien évidemment. Il y avait des arbres. Mais le problème, c'est qu'il y avait tellement d'arbres que c'était tellement sombre que bah, j'en ai coupé beaucoup. Alors, je vous fais visiter un petit peu. Donc, alors, ça, c'est pas d'origine. C'est pas d'origine. Voilà. Les deux bâtiments-là sont pas d'origine. La maison est d'origine. Maison polonaise. Les deux tracteurs sont d'origine aussi. Salut Zogu, comment ça va? Voilà, donc vous avez en matos de base, vous avez un Zetor, un Bura. Vous avez aussi le petit épandeur avec un peu de matos. Qu'est-ce qu'il y avait avec d'autres? Non, tout ça, j'ai changé. J'ai changé quasiment tout. Vous avez un semoir en 3 mètres ou 2 mètres 50, je sais plus. Il y a une charrue avec 3 dents, je crois. Bon, là, on a le petit bunker pour faire de l'ensilage. Alors, il y a l'impression qu'il a un petit défaut de profondeur qui fait que. Ben là, il est vide, mais je peux plus vider dedans. Donc, c'est un peu bizarre. Le petit silo qui mériterait un petit coup de pinceau. Voilà. Qui, en plus, vous voyez, est en train de se casser la gueule. Un peu de traviole. Mais bon, c'est marrant. Si on a la Rose Talmas, hein. Je m'en suis un peu servi déjà, et puis bon, elle n'était pas déjà très propre de base. Donc voilà. Moi, j'ai rassemblé quelques champs. Voilà, j'ai déjà, vous me connaissez, hein, j'ai fait un moyen champ ici. Là, alors, par contre, le seul défaut, je vous le dis tout de suite, c'est au niveau du terraforming. Bah, du moins du paysagisme. Dans les peintures, voilà, le modder nous a laissé que ça. Bon, voilà, on a pas beaucoup de choix, hein. On a de la boue, de l'asphalte, qui ressemble plus à du béton d'ailleurs. On a de la terre qui au final n'est pas vraiment de la terre, mais c'est de la terre et des cailloux. Du humus forestier et de la roche. Voilà. Donc démerdez-vous avec ça. Donc je trouve ça un tout petit peu dommage. Parce que du coup, bah voilà, là j'ai enlevé des arbres, j'ai enlevé les souches, bah j'ai été obligé de repeindre avec un humus forestier qui est pas spécialement joli. Donc comme je sais pas encore ce que je fais là pour l'instant, je laisse ça comme ça. Salut les dames, salut, salut Cédric Jones, comment ça va monsieur Céd? J'ai deux Céd aujourd'hui. C'est cool. Bien et toi? Bah moi ça va pas mal, matinal, mais ça va pas mal. Qu'est-ce que j'ai raté? Non, c'est les gars, hein. Bah si ça va pour tout le monde, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc du coup, bah comme je vous disais, hein, vraiment mini map, voilà. Mais ça reste assez mignonnet, hein. Moi je l'ai commencé. Alors
en no cheat. Voilà, je l'ai fait no cheat. La seule chose, c'est que j'ai pas tout activé. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Pas de photos, s'il vous plaît. Du coup, en fait, le truc, c'est que voilà, je l'ai commencé vraiment standard. J'ai pris le matos qui était de base, j'ai joué un peu, j'ai fait un petit peu de fric, on va dire, avec les arbres essentiellement. J'ai racheté, alors j'ai vendu le semoir de base parce qu'en fait, bah, il réclamait un peu trop de chevaux par rapport au pauvre petit bureur là-bas. Donc en plus, il était dans un état pitoyable, le bureur. Salut, super fermier! Bah, ça va, tranquille, toi. Donc du coup, moi, je l'ai remplacé par ce petit semoir automatique John Deere, hein. J'aime bien, qui fait un peu vieillot en plus. Merci, merci. Je me suis pris une petite benne Kaweco, tout ce qu'il y a de plus basique, couleur un peu vieillot avec voilà du crème, des trucs, voilà. Bah, une pottinger pour ramasser l'herbe que je coupe quand même. Une petite remorque pour le bois. Alors cette remorque-là, vous l'avez vu dans un mode qui est sorti, pareil, il doit y avoir 2 ou 3 jours. C'est la remorque et le petit. Je vais la retrouver. Et vous voyez, j'ai quelques modes. J'ai pas grand-chose. Voilà le John Deere XUV 865R que vous avez avec la remorque. La remorque est très pratique. Ouais, j'ai pas énormément de modes, hein. Pour ceux qui me connaissent, j'ai vraiment pas énormément de modes, hein. Là, pour le coup. Donc voilà, elle est très pratique. Elle bouge un peu quand on la remplit à la main, mais bon, elle est relativement stable. On va pas se plaindre, elle se retourne pas facilement. Bon, petit tendaineur. Une petite charrue, un petit cultif, petite charrue, et puis une faucheuse. Voilà. Rien de particulier. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va tout de suite. Alors, je reprends un petit peu le chat. Bon, bah si, tout le monde. Oui, pour le bois, ouais. Bah, du coup, là, alors, normalement, il y a beaucoup plus d'arbres que ça, hein. La ferme est entièrement entourée. Il y a même une petite clôture, normalement, ici. Voilà. Là, t'as un chemin. Ah, t'as le chemin qui est là, normalement, qui arrive dans le premier champ. T'as un autre accès un peu plus loin. Bon. Non, c'est pas trop mal foutu. Bon, là, je l'ai déjà retravaillé, hein. Bah, voilà, on est au mois de juillet, in-game. On a démarré au mois d'août. Donc, j'ai quasiment déjà fait une année. Voilà pour l'information. Alors je me sers du matériel qu'on m'a gentiment donné de base. Hein. Comme je vous le dis, je suis en no cheat, donc au début on a 100 000 euros. Il me reste plus que 6 000 parce que bah, j'ai forcément acheté du matos, j'ai acheté quelques parcelles. Et puis voilà. Donc on va attaquer direct. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va pas être violent, hein? Alors après, j'ai pas encore de quoi stocker la paille, l'herbe, etc. Bah, l'herbe, normalement, j'aurais dû pouvoir le mettre dans le silo, mais je sais pas pourquoi. Il a fonctionné une fois. J'ai essayé de faire de l'ensilage une fois dedans, c'est marrant. Cette espèce de cuvette. Le seul problème, c'est que bah là, je sais plus pourquoi. Bah, je sais pas pourquoi, je peux plus vider dedans. Pourtant, j'ai mis un petit coup de pinceau dedans, histoire de. Donc, on verra, on essaiera de remettre un coup de pinceau peut-être. Mais bon. Après, elle est assez marrante. Bon, il y a des arbres partout. Hein. Au début, là, quand vous êtes dans cette zone-là, si vous démarrez la map, vous verrez, c'est très ombragé. Alors, c'est pas non plus trop ombragé, mais quand même. Il y a des moments. Si vous aimez rouler en vue intérieure, il n'y a pas de problème. Si vous aimez rouler en vue extérieure, c'est un peu plus complexe. Bon, le terrain est pas super flat, hein. La map c'est Balanska Pharma. Si je dis pas de conneries, ça se prononce comme ça, Balanska Pharma. Qui est sorti il y a 2 jours. Tout simplement. C'est dans le titre d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai mis dans le titre. Voilà, minimap, je vais vous refaire voir le PDA après, vous allez voir, c'est vraiment tout petit, on a très très vite fait le tour, mais du coup c'est marrant. Parce que pour une petite map, elle est relativement, je trouve, très bien faite. Bah, très bien faite. Elle n'est pas ultra réaliste. Mais il y a de l'idée et ça fait plaisir de voir des petites maps comme ça change un peu. C'est surtout que matériel de base, ouais, le Zetor, ça m'a fait marrer, quoi.
Zetor, Bureur, ok. Bon, le Zetor, au final, il me sert à que dalle, parce que 25 chevaux, quand on voit le matos qu'il vous donne de base, bon, à part, à la limite, aller chercher sa baguette avec, on peut pas faire grand-chose. Mais autrement, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Là, il y avait un arbre aussi, j'ai même pas eu le temps de... J'ai enlevé, mais j'ai pas remis un coup de... Un coup de culti dessus, tiens. Un coup de... Coup de charrue. Donc vraiment petite map. Après, vous voyez, il y a de la flotte, il y a un petit pont. Il y a des petites barrières comme ça, un petit peu à droite à gauche pour éviter de tomber. Oui, c'est très très boisé. Ah, on est sur la Suisse, hein, bien évidemment. Donc je pense que c'est un mappeur qui a récupéré la map suisse du jeu, hein, l'Alpine Farm, l'Alpine, et qui l'a réduit, recustomisé, qui a refait des trucs dessus, je pense, tout simplement. Et du coup, c'est marrant. C'est assez marrant. Il y a pas mal de jobs au niveau des textures, ce qui est juste dommage, c'est que voilà, dans les textures qu'ils proposent. Aux joueurs, il n'y a pas énormément de trucs. Alors, je pense que ça sera peut-être mis à jour parce que je pense qu'il va avoir des remontées d'infos là-dessus. Mais autrement, c'est sympatoche. J'aime bien. Du coup, ouais, je voulais vous refaire voir le PDA. Voilà. Voilà. Ouais, ça me fait quand même énormément rire, hein, le PDA. Quand tu te mets comme ça, hop, tu vois quasiment plus la map. Bah, elle est où la map? Il n'y a pas de map. Voilà. Hop. Je trouve ça assez marrant. Et bienvenue à tous ceux qui nous regardent, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à venir papoter dans le chat, on ne meurt pas. Donc du coup, bah, comme je vous disais, nouvelle petite série qu'on fera sûrement une, deux fois par semaine. Ça dépendra de la motivation et de l'engouement de la série. Il y aura sûrement des guests comme je l'avais déjà annoncé hier soir. De temps en temps, on invitera une personne. Alors on sera jamais plus de deux, hein. Vous attendez pas à voir toute la team débarquer. Déjà tout seul, faut arriver à trouver de l'occupation pour l'instant. Donc deux déjà, ça sera oulala, ce sera un grand moment de. Dans l'histoire de la map, donc on sera pas plus que deux, je pense pas. Donc voilà, on essaiera de faire des petits épisodes par la suite en multi. Ça pourrait être potentiellement marrant et sûrement peut-être aussi en crossplay. On verra qui est motivé pour venir et qui est dans la capacité de venir. Attention, hein, je suis très exigeant. Vous le savez, lol. Bon, est-ce que vous avez tous téléchargé votre chocolaterie hier soir là? Parce que bon, c'est pas tout ça, mais il va peut-être falloir que vous fassiez du chocolat là tous là. J'ai même, alors pour pour la petite info, ce matin je suis tombé sur un Anglais, je crois, qui joue sur PlayStation, qui a fait une review déjà de la chocolaterie. Et il en avait l'air assez content d'ailleurs. C'était assez marrant. Donc il a fait toute une vidéo de, je crois, 6 minutes et quelques sur la chocolaterie. J'ai trouvé ça super fandard. Je lui ai même laissé un petit message de remerciement. J'ai trouvé ça très sympa. Et donc du coup, bah voilà, il expliquait que la chocolaterie produit 5 fois plus, 5 fois plus vite que la chocolaterie de base. Et que bah du coup c'était intéressant et même des petits commentaires qui étaient déjà sympathiques dedans. J'espère que toi tu l'as téléchargé. De toute façon, t'as pas trop le choix. Toi, t'as pas le choix vu qu'elle est sur notre serveur et que bah on a joué hier sur le serveur donc. C'est sûr, tu l'as, Ced. 98, 99 et 100. Impeccable. On va pas s'embêter, hein. On va se la jouer old school. Pourquoi s'embêter à prendre un tracteur une benne alors que on peut se la jouer genre je suis à côté? Alors hop, le trigger est pas. Il a l'impression qu'il est un peu capricieux. Mais c'est pas grave.
On arrive à trouver quand même. Pas trop trop compliqué. Après ton live de hier, je l'ai fait. T'as fait quoi? J'ai pas suivi. Ah oui, t'as téléchargé. Ah oui, t'as téléchargé la chocolaterie. Ouais. Bah oui, t'étais en live quand elle est sortie, c'était un peu compliqué. Tu m'étonnes. À moins de tout arrêter, mais bon, on n'en est pas là non plus. Ah non, impeccable. Et du coup, bah, là, il y a le petit lien qui vient d'apparaître. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur Instant Gaming. Hein, si vous avez besoin de jeux à moindre prix, même des jeux très récents. Hein, on a pu le voir d'ailleurs avec Harry Potter, là, le dernier Hogwarts qui est sorti à, je crois, moins 24% direct. Il y a des jeux jusqu'à moins 90%, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et si vous y allez par le biais de mon lien affilié, évidemment, ça aidera la chaîne vu que 3% de vos achats seront reversés à la chaîne. Tout simplement. Et si vous ne savez pas trop de quoi ça cause, Instant Gaming, ben, je vous incite à aller cliquer sur le lien. Ne serait-ce que ça peut aider. En vous remerciant. Et puis surtout pour vous, hein. Ça vous fera des prix. Comment économiser un petit peu, surtout quand on voit le prix des jeux aujourd'hui, ça fait toujours du bien. Alors vous allez me dire, je roule un peu n'importe comment, je fais de l'andin un peu n'importe comment, je m'en fiche, je récupère pas la paille, hein. Je pense pas que je vais la récupérer. Quoique. Ah, quoique. Est-ce que ça ferait pas quelques billets supplémentaires quand même? On va voir, mais je t'étale ça n'importe comment. Le problème, c'est que j'ai de l'herbe encore dans ma remorque et je sais pas quoi en faire. On va étudier le problème. On va étudier le problème. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors, ça c'est bon. Hop là. Hop, petit peu de paille. Voilà. On va essayer d'aller vider dans le silo l'herbe qu'on a en trop là, mais ou pire l'enlever le silo, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Alors, on va se rapprocher un peu plus. Voilà. Ouais, faut vraiment aller viser le fond. Hein. Hop, petite sauvegarde. Qu'est-ce qu'on a de près? Le 15 est prêt. Alors le 15 c'est du colza, je crois. Ouais, c'est ça. Le 15 on est au colza. Donc on va aller se récolter le colza tout de suite. On verra la paille après. Faudrait que je pense aussi occasionnellement à aller réparer la moisse batte que j'ai pas réparée. Alors le matériel par contre qui vous laisse de base, il est dans un état d'avancement dégradé très important. Il y a je sais plus combien de on peut le voir si on va là-dedans, voilà. La moisse batte, elle a 88 000 mois. Bon, techniquement c'est pas jouable, mais en fait c'est juste que si vous essayez de la vendre, ça vaut 2000 balles quoi, même pas 2000 euros. Donc vous pouvez même pas vous dire je revends le matos, je vais me gaver quoi. Non, c'est juste pas possible. Donc voilà. C'est pour ça aussi que je roule et que j'ai gardé les véhicules. Bon, après, tout ce qui était semoir, etc. Bon, la charrue, ça sert vendu une poignée de cerises, mais bon, étant donné que j'allais pas du tout m'en servir, ça servait à rien de les garder non plus. Mais c'est vraiment une poignée de cerises. Hein. Vous attendez pas à devenir riche en vendant le matos de base. C'est où vous commencez avec la ferme de base et vous avez du matos pourri, mais fonctionnel, ou vous prenez pas la ferme de base et prenez 1,5 million. Et là, par contre, vous aurez de quoi vous éclater. Mais je trouve ça moins marrant avec 1,5 million. Des petits champs, vous voyez, je suis bien là. On va être pas mal. On va être pas mal. Alors. Et si je voulais dire aussi merci à tous ceux qui ont follow encore la chaîne YouTube hier. On a passé la barre des 500. Merci à vous tous. Voilà.
un cap de passé. On va vraiment pouvoir attaquer la Truck Master Series sereinement maintenant. En se disant que voilà, les 500 c'est fait. On va aller chercher les 100 000. Je rigole. Ça, on n'est pas prêt de les faire, mais on verra bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, vous y retrouverez tous les replays, toutes les vidéos astuces, etc., etc., etc. Les previews, les machins. Sachant qu'on fait pas forcément que du farming. Il y a aussi d'autres choses. Bon, vous en pensez quoi pour l'instant de cette petite map? Est-ce que ça vous intrigue? Est-ce que ça vous dit de jouer dessus? Est-ce que certains aimeraient me rejoindre? Dites-moi un peu. Voilà pour le coup, hein, comme je vous ai dit, il n'y a pas du boulot pour 4 personnes. Hein, mais... On va y venir, on va y venir. Je vais tryhard un peu et puis je vais acheter un deuxième tracteur. On va bien trouver quelque chose. Après, j'ai pas fait de crédit non plus, donc. Je peux me lâcher complètement et faire un crédit de dingue, acheter un tracteur d'une puissance folle de 150 chevaux par exemple. Un vieux Fiat par exemple, ça peut être sympa. Bien sympa, bah ouais, elle est mignonne en fait comme map. Ça change un peu. Une fois de temps en temps comme ça fait plaisir, tu vois. Après, j'ai pas mis le précision. Tiens d'ailleurs, hop, je peux même remettre la map. J'ai pas mis le précision parce que on l'a déjà sur l'autre et puis là sur cette petite map là, je me suis dit que ça serait plus relou qu'autre chose. Donc, autrement j'ai activé le reste. Destruction. Tout le reste est activé. On est en normal par contre. Je suis pas en difficile, je suis pas en facile. Mais bon, normal, c'est bien aussi. Ça change un peu. Allez hop, petite livraison. Ça va être vite fait. Quoi en puissance? Ouais, et puis même sur cette map là, j'ai envie de faire du vieux. C'est ça qui est marrant. Parce que tu me verras jamais rouler normalement avec ça, tu vois. Un Rostalmash, comment te dire? C'est loin d'être ma passion, tu vois. Mais par contre, sur une map qui est toute petite comme ça, sachant que là j'ai réuni 3 champs, hein. Faut quand même vous dire ça, hein. Bah, 3 champs. Si, attends. Il y avait. Une prairie et 2 champs. Là, de base, j'avais un champ de patates et je sais plus ce qu'ils avaient mis d'autre. Là, le 13, je l'ai acheté, mais c'est de l'herbe. Je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, c'est de l'herbe. Hop, tic, voilà. Le 14, c'est de l'herbe aussi. Donc voilà, j'ai un petit peu d'herbe à aller récolter là. Le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à la benner dans mon silo, quoi. Oh, le vieux Zetor, s'il te plaît. 25 chevaux. Alors c'est pareil, hein, je l'ai gardé, ça sert à rien de le vendre. Je crois qu'il vaut... Voilà, 135 euros. Le bureur, 8,70. Donc t'as pas envie de les vendre. Mais même si ça te sert pas, tu les gardes dans un coin. Tu te dis ça servira toujours un jour, même en déco, tu vois. Du coup, par contre, moi j'ai rajouté le petit front lifter avec une petite masse. Voilà. Je trouve que ça va pas trop mal, surtout pour la charrue que j'ai achetée. Sans la masse, je pense que je ferai des wheelings tout le temps. Quelle vitesse en marche arrière, t'es pas prêt de te faire mal. Bon là, j'ai 2000 litres là-dedans, il faudrait que j'arrive à les foutre. Ouais, vous ne pouvez pas effectuer cette action ici, c'est un peu con ça. C'est un peu con. Alors, on va remettre un coup de pinceau, on va voir si c'est pas un petit souci de
qu'il y aurait un endroit où il resterait un peu d'ensilage. Alors vous allez voir les cailloux à quoi ça ressemble. Ça ressemble pas à des cailloux. Hop. On va faire comme ça. Bah la terre. C'est la terre ça. C'est pas. Hop. Voilà. Au pire, c'est pas grave. On va monter un peu sur les côtés. J'ai pas l'impression qu'il reste quoi que ce soit dans le silo, mais. Non. Oui, ça c'est de la terre. Donc, je pense que le modeur a pas fait gaffe, hein, mais c'est pas tout à fait de la terre ça. Mais c'est pas grave. Après, c'est pas la partie la plus gênante. Ah ouais. Bah, il devait rester 1 mm quelque part de d'ensilage. Du coup, bah ça l'avait pas pris. Bah, je vais ramasser la paille, on va essayer de la vendre quand même si j'ai mis ça totalement en vrac, totalement de manière totalement désordonnée. Purée, quelle fortune. Mais ouais. Ouais, puis comme tu peux voir, je suis super riche en plus de ça. Donc, je peux même pas remonter les comptes en vendant le Zetor, tu vois. Ah bah là, de toute façon, quand t'arrives à vendre un truc 500 balles, t'es content, hein. C'est pour ça que j'ai aussi fait du bois et que je l'ai joué comme ça. Hein. Le bois m'a rapporté énormément, hein, on dirait pas, mais là les 100 000 balles du début du jeu, bah du début, ça a vite volé. Hein. Déjà, t'achètes la faucheuse, t'as un billet. Bon, après, l'endenneur vaut rien. Mais une fois que tu rajoutes charrue, remorque, un truc un peu cohérent, là ce qui m'a coûté le plus cher, c'est ce que j'ai derrière là. C'est ça vaut de la chargeuse, je sais plus, elle vaut 30 000 balles, je crois, une connerie comme ça. Tu te dis bon. T'es content hein, pour ramasser de l'herbe et de la paille. Là, c'est le plus petit modèle en plus. Hein. Il n'y a pas en dessous. Alors le pire, c'est que pour aller récupérer l'ensilage dans le silo, ça a été compliqué parce que bah, j'ai pas de fourche, j'ai pas de télescope, j'ai pas de chargeuse avant, j'ai rien du tout. Donc j'y suis allé avec la remorque que j'ai là derrière en mode je passe à fond dans le silo et j'essaye de prendre de l'ensilage. Ça marche, hein, mais du coup je pense que c'est pour ça qu'il devait rester dans un coin un petit morceau de préparation qui devait traîner quelque part. On va pas être riche hein, avec autant de paille. Hein. On va gagner 400 balles. Ça va être drôle. Et je peux même pas la stocker en plus. Parce que j'ai pas de grange. Donc qui dit pas de grange dit bah, pas de stockage. Et le silo qui est là n'a pas l'air d'être un multifruit. Donc quand j'avais essayé de mettre la paille dedans, ça me l'a pas pris. Donc ou j'étais pas sur le trigger ou ça prend pas la paille. Ce qui m'étonnerait pas d'ailleurs. Donc bon. On va faire de la vente directe. Il n'y a que pour bah voilà, le blé et le colza où bah du coup on attendra la bonne saison. Au pire, on fera un peu de bois peut-être. J'ai encore quelques arbres à couper. Le bois, bon, ça reste rentable. Hein. Le bois, ça reste du bois. Ça paye toujours aussi bien. Bah toujours aussi bien. Je fais des remorques à 2-3 000 euros, donc c'est pas neutre. Une petite remorque remplie normale. Allez hop, on a déjà. Où est-ce qu'on vend la papaye? Je crois que c'est par là, normalement. Il y avait un point de vente. Alors, la papaye. La papaye. Ah, ouais, bah, poste de vente, hein. Donc le poste de vente numéro 1. Voilà, il est en bas. Il est en bas, j'ai déjà été. Ça vous plaît. On va se visiter la map en vue intérieure, ça va être drôle. Ça, vous allez comprendre un peu le concept de la map. Beaucoup de petits chemins. Voilà, on va tout là-bas, mais on va faire un petit détour. On va pas passer par la flotte.
Alors, ce qui est marrant, c'est que là, il y a un... On peut récupérer de il a fait une rampe qui va dans l'eau, permet de récupérer de la flotte. J'ai trouvé ça marrant. Là, sur votre droite, vous avez le biomasse. C'est là où on vend le bois, généralement. Encore des petits champs, toujours des petits champs. Vous voyez, c'est vraiment des petites. Voilà, chaque petite usine, chaque petit truc a sa petite clôture. Alors, il a mis plein de clôtures différentes. Mais il y a de tout, hein. Il y a de l'huile, il y a de l'olive, bah, du raisin. On a la filature, il y a même des petites maisons. Voilà, petites, il y a quand même des maisons. Hein. On a quasiment tous les points de vente de base du jeu avec voilà, des maisons. Alors, c'est pas ma chocolaterie celle-là. Ne confondez pas, c'est une pâle copie de ma chocolaterie. C'est la laiterie de base du jeu. Donc voilà, après on a bah, tous les bâtiments classiques. Après il y a des bâtiments un peu plus. Voilà. On a celui-là qui est sympatoche. Un peu sombre à mon goût, mais qui reste sympatoche. Justement bah, pour tout ce qui est paille. Oh là, oh là, oh là, oh là. Hop là, on va se remettre comme ça. Merci la dame pour tes applaudissements. Donc voilà, ouais, c'est ce petit bâtiment est sympatoche. Après, bon, c'est vrai qu'il y a une couleur un peu plus claire aurait été sympathique. Après, bon, voilà, ça fait vraiment vieux bâtiment avec le bois bien noirci. Tu vois, t'as même la rampe pour vider du grain, je pense. En soi, c'est bien fait, hein, mais j'ai pas vu, c'est quoi? Ah oui, les copeaux là. On peut vendre du copeau. Donc voilà, après la petite ville. Bah, la petite ville. Bah, tiens, on va passer par là pour le retour. Voilà, il y a du diner, il y a de la baraque. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y a le supermarché. Là, on a une boulangerie. Là, si vous allez tout droit au fond, là-bas, on a la concession. Ouais, c'est plein de petits, voilà, de petits bâtiments à droite à gauche. Là, on a le resto. À chaque fois, vous avez des clôtures avec portails. C'est marrant. La conception du truc est assez marrante. C'est pas très grand. Donc, l'avantage, c'est que le bureau, bah, même à 25 km/h, on met pas une demi-heure pour traverser la map, hein. Là, pour le coup, on met vraiment pas longtemps. Mais voilà, la map est conçue comme ça. Moi, je trouve ça assez marrant. On passe du temps à se balader. Voilà. Alors, faut faire attention à pas finir à la flotte. Mais avec le bureur, ça passe bien de base. Pour ceux qui adorent le bureur, moi, j'aime bien personnellement. Je sais qu'on a un fidèle qui adore le bureur. Donc. Apparemment, la map lui a bien plu aussi, donc c'est toujours marrant. Allez, on est reparti. Du coup, j'ai même pas regardé combien on avait fait. Tiens. Le mec, il n'y en a rien à secouer, mais bon, on n'a pas fait grand-chose, hein, je crois. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé et qui peuvent me le redire, ou est-ce que je vais directement regarder dans le menu? Dites-moi, est-ce que vous avez vu? Hop là. Peut-être falloir que j'aille mettre de l'essence aussi à un moment. Il y en a encore, mais je pense que ça va vite dégager. Si on fait une deuxième remorque, ça sera vraiment grand max. Hein. T'as même pas gagné. Ah bah voilà. Bravo. Bravo, bravo. Non, mais on va regarder après.
toute façon, là, on va faire quoi? On va faire 50% de la deuxième remorque, je pense, pas plus. Ah, quoique, ouais, non, même pas. Ah, si, ouais, tout juste 50, hein. Un tout petit peu plus de 50. C'est déjà ça, mais bon. C'est déjà ça. Bon, ben voilà, on a 53%. Je vais passer par là, ce sera plus rapide. Ça va pas être fou dingue, hein. On aura fait une chargeuse ennemie. Ouais, ça va pas être la folie furieuse, hein. Allez, on repasse en intérieur. À 25 km/h, ça laisse le temps de prendre ses trajectoires. J'aime bien. C'est pas violent, hein, par contre, hein. C'est le bureur. C'est la balade. C'est vraiment la balade. Mais du coup, ouais, quand je regarde le tableau de bord et que je vois la jauge à essence qui est totalement à gauche, là, je me dis, il va falloir qu'on trouve une petite station quand même, hein. Et sur le retour, on va essayer de se trouver la station. Oui, c'est vrai qu'il y a même un broyeur là-bas aussi. On va essayer de trouver, ouais, on va essayer de se trouver la petite station essence, comme ça on va aller se faire le plein. Au pire, j'ai même envie de dire, on va peut-être aller réparer le bureur. Parce que le problème, c'est que vu qu'il est très vieux, il se dégrade très très vite. Donc, ouais, à checker. Hop là. Alors, je vais prendre un petit coup de coca, ça peut aider. Eh bien, bonjour à toi, monsieur Romain, comment ça va-t-il bien? Comment vas-tu, monsieur Romain? Allez, hop, on passe en intérieur. Pas mal, bah c'est cool alors. Alors, la station essence, petite sauvegarde, tiens, hop, évidemment, je suis en partie. Perso, la station que je sais pas où elle est. Alors, broyeur, vous m'excusez, on va tous se les faire, mais bon. Poste de vente 1, ouais, il aurait peut-être pu mettre des noms un peu plus poussés, mais c'est pas vrai. Supermarket, là, ah bah carburant, c'est à la. Ok, bah c'est à la concession. Eh ben, on va y aller de ce pas. On va y aller de ce pas. Alors, il n'y a pas de trafic. J'ai envie de dire, de toute façon, vu la gueule des routes, ça aurait peut-être été compliqué de mettre un trafic. Quoique, non, ça aurait pu être drôle avec une 4L, une petite Citroën, hein, de la petite Citroën à l'ancienne. Ça aurait pu être marrant. Plop, plop, plop. Ah oui, carburant, c'est les deux citernes qui sont là. Ok. Du coup, on va déjà commencer. C'est pour le fun, hein. On n'est pas obligé de monter dessus, mais bon. Alors, on va tout réparer. 7 euros pour le front lifter, ça va encore. 3 euros pour la masse, ça va encore. 923 euros pour le bureur, c'est quand même, hein. Et 12 balles pour la récolteuse. Bah pour la chargeuse. Ça va encore. Bon, le bureur, 923 balles quand même, hein. Vu l'âge, ça fait mal, hein. Vu sa valeur réelle, ça fait mal. Un petit coup d'essence, ça va faire mal aussi. Ah bah non. Par contre, rapide. Ah, c'est gratos? Oh. L'essence est gratuite. Ah, ça c'est cool. Je veux la même par chez moi, c'est possible. Ouais, je vais passer par là. Ouais.
Ouais, bah c'est marrant la petite rampe. Après, t'es pas obligé de monter dessus hein, pour le trigger de vente, il est beaucoup beaucoup plus large. On a quand même quelques piétons, hein, qui est. Un papy! Allez, encore 2 km et t'es arrivé. Oh putain, la branche. Donc ouais, il y a quelques piétons, il n'y a pas de trafic, mais au moins des piétons. Alors est-ce qu'il y aura une version améliorée plus tard? Je ne sais pas. On verra. Moi perso, ça me fait marrer cette petite map. On peut jouer avec zéro mode. Ça passe. Avec quelques modes, c'est encore mieux, mais sans mode, c'est pas gênant. Du coup, on va aller se ranger la petite chargeuse. Donc moi, j'ai rajouté ces deux petits bâtiments là. Vieillot et pas cher. Surtout pas cher, parce que le but c'est vraiment de s'enrichir comme on peut sur cette carte qui est vraiment pas non plus oufissime. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Alors, le 14 c'est de l'herbe, le 1 c'est de l'herbe aussi. On va bah le 1, celui qui est juste sous le 1, mais bon, elle est pas poussée normalement. Ouais, elle est encore en stade 1, si je dis pas de conneries. Ou elle est déjà en stade 2. Non, elle m'a l'air d'être en stade 1. Ah, quoique. Ah non, elle est en stade 2. Bah, à la limite, on peut tondre. Ouais, on va tondre et on va se foutre ça dans le bunker. Ouais, monsieur Poulet, comment ça va? Tiens, on va rouler même un peu dans le... Hop là. Le bunker, voilà. Je vous remontre un peu le bunker. Alors je sais pas jusqu'où on peut aller au niveau du bunker. Alors ce qui est marrant, c'est quand on roule, par contre, ça s'aplatit bien, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympathique. Alors, ça c'est vraiment le truc qui fait le plus moderne, hein, par contre. Hein, la faucheuse. Bon, après, il n'y a pas non plus 40 modèles de faucheuse. Hein. Puis je voulais pas encore prendre un mode. Il y en a déjà pas mal. C'est quoi cette map? Eh ben, c'est la petite map que je parlais hier soir, qui est sortie il y a 2 jours. La Balkanska Pharma, qui est une mini-map. Tiens, regarde, tu veux le PDA? Tiens. Voilà. Le PDA, c'est ça. Toc. Voilà. C'est pour les petits. C'est une map pour les petits enfants. Ah, elle est marrante. Bah, ça fait surtout plaisir de jouer avec du matos pourri en fait. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment le modder qui a mis du matos pourri. C'est pas moi qui ai rajouté du matos pourri. Il est déjà dessus, le matos pourri. Voilà, 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 voilà. Le mec est bourré en plus. Bon, après. J'aurais peut-être dû prendre ça à l'envers. Ça aurait été peut-être plus intelligent de ma part. Alors, ça se rattrape, ça se rattrape. On va se faire le détourage dans ce sens-là et on tournera dans l'autre sens après. Ah ouais, elle est vraiment mini mini, ouais. Mais il y a tout dessus. Il y a tous les points de vente du jeu, donc il y a moyen de jouer tout de suite. En prenant du fun tout de suite. Après voilà, faut aimer les trucs un peu galères où tu gagnes pas énormément d'argent quoi. Mais bon, c'est un peu le but de cette map là, c'est justement de changer de style. Moi c'est ça qui me fait marrer en fait, c'est qu'on est habitué nous maintenant avec la team à avoir la ferme qui grandit de jour en jour parce qu'on commence à brasser de plus en plus, même en difficile. Donc là, je me dis voilà, je suis en normal, il n'y a pas de précision, il y a voilà, c'est ouais, je trouve ça marrant, ça change un petit peu, ça fait une petite série supplémentaire à la chaîne. Voilà, supplémentaire, en ce moment on en a plus beaucoup des séries, donc c'est bien. Puis moi ça me permet de me changer aussi un petit peu des grosses productions, on va dire ça comme ça. Je trouve ça marrant. Après, c'est pas dit qu'on fasse 60 épisodes là-dessus, hein.
Je pense que de toute façon, une fois qu'on va commencer à rentrer de l'argent, je vais acheter des champs et une fois que j'aurai toute la map, bah j'aurai toute la map quoi. Donc ça peut aller très vite. Surtout avec le bois. Pour l'instant, je suis pauvre et ça ne serait, serait continué comme ça. Vu que j'ai la possibilité de faire du crédit, à mon avis, à un moment, ça va me prendre et ça va changer. De toute façon, va falloir que je m'achète un moyen d'avoir un godet parce que je vais pas m'amuser à récupérer le silo à chaque fois avec la chargeuse comme ça. C'est pas vraiment une bonne idée donc. Hop, on va aller se faire le deuxième direct. Ah ça c'est fini tard hier en plus. On a bien rigolé encore hier soir. C'était plus chill, comme diraient certains. C'était dans le chill, c'était tranquille, pas de stress. C'était assez détendu l'ambiance hier. Mais bon ça c'est le chocolat, ça détend. J'ai pas dit que je tournerais dans l'autre sens, moi. Si, j'avais dit que je tournerais dans l'autre sens. Ouais, c'était calme hier, mais bon, après. Voilà, milieu de semaine. Les gens étaient peut-être fatigués. Après, c'est sympa aussi, hein, des fois quand c'est calme, hein, ça change un petit peu. Puis ça permet de se ressourcer pour faire des conneries plus tard. Hein. Et ouais, faut bien se dire ça. Hein. On n'arrête jamais, on n'arrête jamais. Mais c'est vrai qu'hier, ouais, c'était gentillet. Après, c'était calme parce qu'on n'a pas eu les. On n'a pas eu tous les clowns non plus. On n'a pas eu tous nos clowns. Il y en a un qui s'est endormi dans son fauteuil. Il y en a d'autres bah, qui doivent être, à mon avis, du matin cette semaine. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué pour venir jouer tard le soir. Donc, forcément, c'était un peu plus calme que d'habitude. On s'est pas dit que ce soir ça soit si calme. On sait jamais, on n'est pas à l'abri que ça parte en sucette, hein. Donc méfiez-vous, guettez les cloches. Ce soir ça fait ding ding et que vous voyez qu'on est au moins 4. Méfiez-vous, ça peut partir en chouchette totale. Hop, allez, on va remballer ça. Tranquille Bill. On va se mettre un coup d'ordinateur et puis on va les ramasser après. Ce serait bien que je m'achète un poulailler. Que je fasse des œufs. Pour être rentable ça. La base du jeu, les poules. Et quand tu vois le matos qu'on a, bah un poulailler, ça pourrait être pas con. En plus. Ouais, je regarde, je dois en avoir plein dans mes mods. Je dois en avoir une pagaille. On va faire ça bien, on va commencer du bout tranquillement. Pas de commentaire, s'il vous plaît. Ouais, mais bon, ouais, je me moque, mais pour rappel, la veille, je devais faire un live et à 11h30, j'étais couché. Hein. Donc voilà, je peux pas trop me permettre de critiquer. Ah tiens. Ouais, bah après on l'a déjà vu. C'est très pratique, ce petit Andenner.
Andenneur faneuse aussi, qui existe en faneuse. Le gros avantage de ce mode-là, c'est que voilà, ça te fait un Andenneur pas cher, quoi. Vraiment pas cher pour le coup. Hop là. Bah celui-là, on s'en était servi sur quelle série? Bah sur le début de Interland, je crois, non? Ah non, 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 j'ai dit connerie, c'était sur. Sur les petits vieux, la première, les petits vieux. Tu les as en survie, toi? Bah t'as bien raison. T'as ceux-là en survie, je me rappelle plus. Dire il y a ces derniers temps j'ai pas eu trop le temps de venir voir mon jeu file à mes occupations. À bientôt cette j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps de faire un tour sur les chaînes des copains. D'ailleurs n'hésitez pas hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Cédric et Romain Jeance, allez faire un tour sur leur chaîne YouTube, vous serez pas déçus. Pardon, vous aurez les liens évidemment dans les descriptifs, dans les replays. Que dire de plus? Alors, je vais juste regarder mon téléphone parce que je vois que ça a vibré. Mais pour quelle raison ça a vibré? Alors, vous m'excusez, je suis à vous tout de suite. Je regarde juste un petit message. Qu'est pas ça. Ok. Alors, on baisse. Et je suis parti. Alors, et poulet qui prend son niveau 45. On a vu les classements hier, c'était fun. Les classements des viewers. Numéro 1, toujours Captain hein, de mémoire. Qui est large devant tout le monde, hein, mais bon, c'est normal. C'est le plus fidèle abonné. Niveau 56, je crois, hein, c'était ça. Poulet deuxième, seconde marche du podium. Et en 3, c'était Cédric Jeance. Alors hop, la dernière petite rangée. Ouais, c'est vraiment histoire de dire. Je pourrais même la mixer avec à côté, ça serait peut-être pas plus bête. Regarde, on va même faire ça comme ça. Voilà, hop. Quelle puissance. On sent le bestiau qui a envie d'en découdre. Hein. Quand même. Hein. Alors, on va se remettre ça là-dedans. Ça fait vraiment ferme cheap. Hein. La bonne petite ferme polonaise. Merde, je prends pas du bon côté, ça va pas le faire. Si tu veux voir ce que ça donne, je crois que c'était. Qu'est-ce qu'il a fait comme commande?
Attendez, est-ce que je suis pas dessus? Évidemment, ça marche moins bien. Je crois que c'était. Non, si c'était ça, voilà. Et là, quand vous cliquez sur lien, ça vous envoie sur une page internet où vous avez tout le classement des viewers. Voilà, ça peut vous donner une idée d'où vous en êtes. Après, il n'y a pas de compétition, hein, mais c'est toujours marrant de voir qui est number one. Allez hop, on ramasse ça. On va refaire un petit peu d'ensilage. Les arbres sont sympas, mais des fois c'est un peu chiant. Et encore, j'en ai enlevé plein parce qu'en fait, en vue du dessus, c'était un carnage. Il y a tellement d'arbres par endroit que, bah, à moins d'être en vue intérieure, on voit rien du tout, quoi. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Du coup, avec les arbres, excusez-moi, j'ai un peu la gorge prise. Ce qui fait que, bah, il y a des endroits où on voit pas bien s'il reste des choses à récolter ou pas. Ou... Donc bon. Avec quelques arbres en moins, c'est toujours sympathique. Bah, de toute façon, on va pas remplir là, de ce côté-là. Et n'oubliez pas non plus d'aller sur Instant Gaming. Je vous en remercie d'avance. Ne serait-ce que cliquer sur le lien pour aller faire un petit tour. Ça notifiera la chaîne auprès d'Instant Gaming qui se diront peut-être que... Ah bah oui. Grimlock et ses viewers sont présents. Donc n'hésitez pas, parce qu'à la limite, si je peux être un peu plus qu'affilié chez eux, bah, ça sera que du bonheur pour vous, parce que je pense que je pourrais vous faire gagner des choses. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien affilié dans le chat directement. En plus, ça vous coûte rien de cliquer sur le lien. Et moi, ça m'aide. C'est ça. Ah, évidemment, mon téléphone qui sonne. Je reviens, je suis là dans 2 petites minutes. Alors, je suis déjà de retour. Ah, je suis en train de perdre ma voix, je pense. Ouh, ça va faire des vacances à certains. Alors, je t'ai largué ça comme une daube. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va aller faire le reste. Hein. Oui, c'est pas non plus super violent en quantité. Hein, quand on est habitué à Interland à remplir des bennes de 45 000 litres. Là, forcément, la chargeuse de base est largement suffisante, hein, pour ce qu'il y a à faire. Mais du coup, je pense qu'après, on va potentiellement peut-être faire un crédit. On va voir ce qu'on peut faire. On va réfléchir à tout ça. Vous allez réfléchir avec moi, d'ailleurs. Parce que j'ai bien envie quand même de mettre des poules. Par contre, je ne pense pas que j'ai mis le. Je sais plus si j'ai mis le mode avec toutes les poulettes, là, les 800 poules. Je vais regarder ce que j'ai mis en enclos. Je sais même plus ce que j'ai mis en enclos, vous voyez. Pour vous dire à quel point j'ai beaucoup joué sur cette map. Salut Kidrick, comment tu vas? Hop. Ouais, je roule un peu, mais c'est pas le mien. On s'en fout. C'est pas super RP, hein. C'est pas super RP tout ça.
trop bien cette map. Bah oui, mais toi, de toute façon, à partir du moment où quand tu commences, il y a un bureur, ça peut que te plaire. Ce qu'on disait tout à l'heure. Ça ne peut que te plaire. Donc c'est plutôt cool. Non, c'est vrai qu'elle est marrante. Bon, moi, comme je faisais voir, hein, à la ferme de base, j'ai un peu dégagé tous les arbres. Bah tous les arbres, pas tous, il en reste encore quelques-uns que je me suis gardé de côté pour faire du business. Parce que c'est vrai que ça aide quand même beaucoup, hein. Regarde donc. 96%, c'est pas beau ça? Donc je sais pas si la tienne ressemble à ça, mais tu vois, moi il n'y a plus d'arbres. Plus d'arbres, rassemblement déjà de trois champs. Ah, j'ai avancé un peu quoi. J'ai avancé un peu. Tac. Impeccable, Ced, pour le lien de Romain. Impeccable, merci. Voilà, si vous voulez aller voir ce que fait Romain Jeans, il a un mode survie qui est exceptionnel. Je vous incite vraiment à aller voir ses replays ou ses lives. C'est juste génial. Moi aussi, t'es coupé. T'as mis Cédric aussi? J'ai pas vu. Ah oui, bah il y a Cédric dessus, j'ai pas vu. Bah juste au-dessus, vous avez Cédric Jeans aussi. Voilà. Les deux font des trucs sympas. Alors en plus, je vous donne une info. Je leur ai passé une de mes maps que j'avais fait les rivières, hein, pour poulet, quand on en parlait hier. Cédric a récupéré les rivières. Parce que c'était une map que j'avais fait sur serveur et du coup j'ai pu lui passer. Donc il a refait en fait à sa sauce les rivières. On en est où? Mais de rien, Romain, c'est normal. C'est comme ça que ça marche. Hop, allez. Vous ne pouvez pas vider ici. Fous-toi de ma gueule. Un peu bizarre le silo quand même. Et on sait pas trop où est-ce qu'il est vraiment. Le fait que ce soit dans un creux, c'est un peu chelou quand même. Voilà. Que c'est, ouais. On a vraiment fait beaucoup de. Ouh là là! Je suis même pas sûr de. Je sais même pas si je ferme maintenant le silo ou je laisse ouvert. Et je remets quelque chose. Je sais pas. Le temps de faire les manœuvres, c'est bien. Hop. T'as changé quoi, toi? Ah, t'as changé le bunker? Bah, en soi, je le trouve bien fait. Je trouve que c'est marrant. Bon, là, il a fallu repeindre le fond parce qu'il restait un pouillème de quelque chose dedans qui faisait que je pouvais plus vider. Mais voilà, après, au niveau des peintures, c'est pas génial. Ouais, par contre. Peut-être un peu fait un gros tas. Bon après ça s'étale vite. Hein. Dès que tu roules un peu dedans. Il y va hein, le bureur hein, avec ses 100 chevaux. Hein. Bon il galère un peu quand même mais. Il y va. Bah moi je l'ai laissé pour l'instant. Bon après c'est pas dit que je le garde vitam aeternam, hein, mais je le trouvais marrant. Bon après voilà y a un petit apparemment il y a un petit défaut de trigger où si t'es pas pile poil au milieu tu peux pas vider. Donc tu peux mettre que 10 000 dedans. Ah oui. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Bon après c'est toujours marrant mais c'est vrai que bon je compte pas faire de vache donc de toute façon là c'est plus voilà pour dire je fais quelque chose. Je vais mettre le. Hop tiens, petite sauvegarde, il y a longtemps. Je crois qu'on va se remettre ça, voir à peu près à combien on en est. J'ai changé, oui, à côté du Zator. D'accord. 25% de tassement. Eh ben, on n'est pas arrivé. Ah si, j'ai trouvé une technique hier pour aller plus vite. Bon, elle est un peu badass.
Elle est un petit peu badass, parce que là, ouais, voilà, à chaque passage, on va gagner 1-2%. Voilà. Bon, c'est super RP, hein, là, je vous le dis tout de suite. C'est tu changes de véhicule et tu prends un truc un peu plus lourd. Voilà, vous avez compris, hein. C'est un peu plus lourd que le burger, ça. C'est 3 fois rien, mais... C'est 2-3% à chaque fois au lieu de 1 voire 1,5 avec le burger. Je sais même pas combien t'en mets dedans. Tu vois, là dedans, il y a plus que 10 000 parce que là, on est déjà à 29 000, mais. Oh, on doit pas pouvoir en mettre beaucoup, hein. À mon avis, t'arrives à 100 ou 150 000, je pense que t'es taqué. Hein. Ça doit pas être super violent. Alors, Zetor, il va pas tirer le plateau, tu m'étonnes. Bah, le Zetor, 25 chevaux, hein, faut pas trop lui en demander non plus, tu vois. Le jour où vous voyez une mouette battre, tasser un silo, les gars, vous m'appelez, vous faites des photos, on se fait un délire. Ça pourrait être marrant, ouais, avec la. Oh, pardon, excusez-moi, mais. Ça pourrait être drôle, ouais, avec la go. Avec la grosse vente, là. Avec la katana. Je vois bien la katana plus l'autre dans le silo, tu sais. En train de tasser. Comme on l'avait fait l'autre jour. On aurait peut-être pas mis une demi-heure, hein, pour tasser, du coup. On aurait peut-être mis moins. Alors ce qui est bien foutu, c'est que ça étale bien sur le truc. À la fin, ça vous fait un truc tout flat. Hop là. Alors on va remettre un petit coup là le long. Bien dans les coins. Je suis en train de me dire, c'est quand même super RP quoi. C'est de la folie furieuse quoi. Bien, roulez bien partout. Ah, ça va aller vite. Bah là, de toute façon, vu la quantité, voilà, on va pas perdre trop de temps, quoi. Allez, un dernier passage et on est bon. Voilà. Ça, c'est fait. Alors ça, on va se le décaler un peu parce que on va se le mettre là pour l'instant. On va voir si on peut pas se trouver une petite place pour. Alors, hop, on vire le menu. Schlock. Waouh. L'impression que c'est du sel ou de la neige. Ouais, je pense. Après, est-ce qu'on aurait réussi à monter dans le silo sur Interland? Je sais pas. Parce qu'il était quand même bien, bien rempli, hein. Alors, construction, qu'est-ce que je me suis mis de côté en poule? Est-ce que je me suis mis des poulaillers en plus? Ouais. Un poulailler, 200 poules. Voilà. Ça vaut 45 000 balles. Pour une auge et un trigger de palette. Alors, par contre, 200 poules, hein. Et celui-là, ah, il y a le 500. Il n'y a pas le 800, mais il y a le 500.
Là, c'est le 500 poules. 99 000 balles quand même. Je mettrais bien celui-là quand même, parce que je le trouve marrant. Et à la limite, on peut se le mettre un peu n'importe où et les poules elles vont gambader partout. Le problème, c'est je sais pas où le mettre. Ils ont fait un truc avec le trigger comme ça sur le côté, la Tatawin. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Si j'essaie de mettre ça par là, sens-là. Bon là, tu peux pas le mettre autrement, t'as tes palettes au milieu. Si tu mets ça là, bah t'as tes palettes qui arrivent au milieu. Si tu mets ça le long du truc, tu peux pas, t'as tes palettes. Ouh, ça va faire chier ça. Tu mets ça là, bah ça veut rien dire. Si on met ça devant la maison, les palettes elles arrivent sur la route. Si on met ça, mettons ici, ça ferait les palettes qui arriveraient devant le petit hangar. Si on part sur un. Ouais, ça pourrait être drôle, mais il faudrait pas qu'il y ait le hangar en fait. Il faudrait qu'il soit dans l'autre sens. Ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Où on se met un vrai poulailler. Merde, c'était pas ce bouton. Pour moi, les poules. Où on se met un poulailler quelque part. Là, il y a de la place. Si on met ça comme ça, le trigger il se retrouve là. Pas assez d'argent, oui, bah ça je sais que je suis pauvre et on chargerait. On va laisser une place parce que s'il y a le champ, ouais, ça peut être où le mettre dans ce sens là. Peut-être plus intelligent dans ce sens là. Plus facile pour décharger la benne. Il nous manque 100 000 balles, hein. Allez, on se décide, on emprunte 100 000 euros, un tout petit peu plus, c'est pas grave. Et on va se poser, bah du coup, un poulailler, hein. Le petit poulailler, donc on va se laisser la place quand même pour récupérer les palettes. D'ailleurs, il y a une sacrée pagaille de palettes qui peut spawner là. On va se mettre ça comme ça ou est-ce qu'on se laisse un chemin quand même? Est-ce qu'on se laisse un chemin le long du. Ouais, on va se laisser un chemin quand même le long du truc, c'est pas grave. Allez! Comment ça, pas assez d'argent? Là, j'ai pas emprunté 100 000. What the fuck? Ah, mais c'est parce que j'avais déjà emprunté de l'argent, je suis bête, moi. Oh là 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 là, le mec est fatigué déjà alors que la journée a à peine commencé. Ça se promet. Ça promet. Toc. Alors, on a dit, on laisse un chemin. Et on met ça. Hop, on laisse un beau petit chemin quand même. On a un peu de place. L'objet en chevauche un autre. Eh ben, c'est pas grave. Voilà, on est bien là comme ça. On est bien, on est bien. Ah, j'avais pas vu le petit côté que les poules. Bon, bah, on a niqué un petit bout de la parcelle. Heureusement, je l'ai pas mis dans l'autre sens, je suis en train de me dire. Ah, il n'y a pas de clôture, donc forcément, je l'ai pas vu. Bon, ça m'a mis quoi? Une texture. Ah bah ouais, ça m'a mis une texture de terre dégueulasse. Bah c'est pas grave, tant pis. On verra ce que ça donne. Tout simplement, qu'est-ce que, bah, si on achetait des poules, ça peut être pas con. Ça peut être pas con. On va acheter donc un coq. Histoire de dire qu'on a un coq. Et on va acheter des poules. On va en prendre combien? 60, ça fait 3 000 balles. Est-ce que j'ai assez? Je peux en reprendre une deuxième fournée. Allez, on en achète 120. Soyons fous. Voilà, de toute façon, il me reste 1 000 balles, à peine. On a du grain, on va aller se le mettre tout de suite. Bon burrier. Bon pépère, ça, un bon pépère. Puis alors, après, on va pouvoir attaquer. Faudrait que je trouve un abri aussi pour mettre la moisse batte.
plutôt que de la laisser comme ça en vrac. Alors, c'est bien, on va pas être loin. De toute façon, on a quoi? Ben, on n'a pas grand-chose. Hein. Voilà, on va mettre du blé, hein? Ouais, va falloir acheter des champs et refaire du blé ou de l'orge ou des trucs, hein, parce que on va pas les nourrir longtemps, les poupoules. D'ailleurs, est-ce qu'on se rachèterait pas un champ? Parce que là, je voyais un petit champ qui traîne à côté. Potentiellement, ça pourrait être intéressant. Ah, ça n'a pas marché. Je suis trop en avant, trop en arrière. Ah, ok. Ah, il a décalé le trigger. Ok, c'est pas con. Mais ouais, j'achèterais bien les champs qui sont autour là. Et au pire, faire bah, que du blé pour l'instant, quasiment. Parce que bon, l'herbe. Va peut-être pas faire de l'ensilage non plus pendant 10 ans. Pour ce que ça rapporte. Tu es d'accord, bon tracteur. Bah ouais. Bah après, je pense que je vais racheter un Fiat. Je me suis remis les mods du Fiat de FS19. Bon, il y a tous les Fiat, donc je sais pas encore lequel je vais prendre, parce qu'il y a plein de modèles, il y a du 2 roues motrices, du 4 roues motrices. Mais ouais, j'ai bien l'intention de prendre un truc de 150 chevaux, tu vois, histoire d'avoir un complément, et puis si j'invite du monde, d'avoir quelque chose d'un peu cohérent, quoi. Alors attendez, hop, on va tout de suite essayer d'acheter les champs avant que ça switch. Alors, le 4, il vaut 2005. Le 15, il vaut 3007. 21, ça vaut 4000. Là, on est sur du 7000. Allez, on va remprunter. Merde, je suis con. On va remprunter 30 000 balles. On va monter. Allez, on va monter à 150 000 de crédit. Et on va se faire plaisir. On va acheter un peu de terrain. Même si tout n'est pas cultivé dans la bonne culture, c'est pas grave. Il nous reste 7002. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Là, le... Qu'est-ce qu'il y a de... Si j'enlève l'herbe. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Il ouais, n'y a pas grand-chose. On a quasiment déjà la moitié des champs quand même. Se lâche un peu, quoi. Le 150... Sans cabine. Ouais, c'est ça. Bah après, je crois que tu peux l'avoir en tout orange. On regardera après. On a encore un peu de time. Je sais pas trop jusqu'à quelle heure on va stream ce matin, mais bon, lui, je vais le laisser là pour l'instant. Hein. Bien, bien garé, j'aime bien. On s'en fout, on est tout seul dans la ferme. On fait ce qu'on veut. Ah, j'avais dit qu'il fallait aller réparer la moisse-batte aussi, parce qu'elle faisait un peu la gueule. Oh putain, est-ce que je passe encore là? Ouais, c'est short, hein. Oh putain, j'avais pas fait gaffe, mais... Bon, de toute façon, je compte pas changer la moisse-batte tout de suite, donc pour l'instant, on va rester sur une moisse-batte de merde. Et les petits champs en herbe là que j'ai, de toute façon, le champ qui est à gauche là, bah, la prairie que j'ai à gauche, faut que je mette un coup de charrue dedans, donc on va rallonger le... Là, le champ il est en orge, on va essayer de se le rallonger. Au pire, on coupera quelques arbres si besoin. Ça va être vite fait aussi, ça. Là-dedans. Là-dedans, là-dedans, là-dedans. Oula, j'avais pas vu. Ouais, c'est ce que je disais avec les arbres, vous voyez, ça fout fait des. Là, faut vraiment limite jouer en vue interne. Je recule pas trop, il y a un arbre derrière, je sais pas trop où il est. Hop, allez, on essaye de jouer un peu en vue intérieure. En moisse-batte, j'ai jamais trop fait parce qu'à chaque fois j'en oublie plein. Toujours un peu de mal. Est-ce que j'ai de l'oubli? Non, ça va, je m'en sors à peu près bien. Et ce qui est drôle, c'est que c'est beaucoup plus facile en vrai. Mais bon. Beaucoup plus facile de voir le gabarit de la moisse-batte en vrai que dans le jeu. Mais bon. Putain, je suis con, j'aurais dû déverser directement dans le poulailler, moi. Bon, c'est pas grave. Faut bien faire un peu de conneries de temps en temps.
Est-ce que dans les champs qu'on a achetés, on a autre chose à récolter? Je pense pas. Ah, petite sauvegarde. Et bienvenue à tous ceux qui nous regardent, au fait, hein. N'hésitez pas à venir papoter avec nous, on mord pas. Alors. Bah non. Non, non. Le 7, c'est quoi? Le 7, oh. Ça va être du sorgho. Ça a l'air d'être du sorgho. Je vais aller vérifier. Alors, la couleur du sorgho, elle est pas. Eh merde, c'est de la patate. Ah putain. Ce que j'allais dire. Ça se confond. Il y a la nuance de couleur entre la patate et le sorgho sur la map. Elle est vraiment infime et du coup, on a une chance sur deux de te prendre une patate. Et là, pour le coup, bah, c'est de la patate et ça m'en. J'aime pas la patate. De toute façon, je vais pas acheter le matos pour faire des patates. Hein. Ça va, je suis pas prêt de la rentabiliser. Alors, on pose ça là. Est-ce qu'on n'achèterait pas d'ailleurs le tracteur tout de suite? Est-ce que je fais pas le dingue? Il vaut combien? Alors, est-ce que c'est dans les petits ou est-ce que ça va être dans les moyens qu'il. Non, voilà, c'est dans les petits. Alors, on a le choix. On a aussi le Volvo BM du Platinum. Volvo BM, il fait 140 chevaux, 88 000. Là, on a du. Ah, 28 000 balles le 2, s'il est pas cher. 143 chevaux. Là, on est sur du 132. Ah, jusqu'à 185. Il est où le moteur? Il est là. Pour 2000 balles de plus. Ah ouais, il y a moyen de faire un truc. Alors attendez, il y a quoi en. Alors, orange fender. Alors là, on part de tout blanc l'arrière, orange devant. Les ailes en orange. Le tout orange. Les roues orange aussi. Ouais. Le orange noir avec les jantes blanches. Ah, j'aime bien comme ça. Là, si on va essayer de le mettre au taquet, voir ce que ça donne. En pneu. Ouais, alors, est-ce que c'est du pneu étroit? Parce que voilà, ça, c'est du pneu étroit. On a quoi comme. Ah ouais, en pneu inversé. En Michelin, on aurait du pneu large, Conti, Wellerstahl, Mitas. Ouais, t'es le Borg de base. Après, en large, ça fait un peu. Oh putain. Non. De base, système d'attelage. Ah, on a même un front hydraulique avec le PTO. Wow. Ah, la classe. Bah ouais, je prends, ouais. Je prends et couleur principale, what the fuck. C'est quoi? Bon, c'est une couleur qui change, mais. Je mets pas de plaque parce qu'en fait en plaque on a le choix encore entre 1 et 2 et j'ai pas envie d'avoir leur plaque SRB, c'est quoi? C'est la Serbie? Si je dis pas de conneries. Qu'est-ce que vous en pensez? Orange et blanc, ah ouais, mais je suis pas un grand fan du orange et blanc. Bah. Toi tu le verrais comme ça, toi, de base. Après, il y a le orange comme ça aussi, hein, qui est fandard. Ou le tout orange. Et tout orange, ça fait très très Kubota quand même. Hein. Ouais, orange et blanc. Ah mais je sais pas, je trouvais que ça changeait un peu justement. Non? Dites-moi dans le chat. Alors je vous laisse le choix. Alors, on va faire un petit vote, tiens. Noir, orange, blanc. Orange, blanc. Ou blanc, orange, blanc. Donc choix 1, il y a du noir, choix 2, il y a du orange, et choix 3, il y a du blanc. On va dire ça comme ça. Non, pas tout orange. Non, non, pas tout orange. Non, non, il n'y a pas noir pour les jantes. Tu peux pas choisir la couleur des jantes. Alors après, il y a ce modèle-là, donc là, ça nous fera un total à 27 000. Attendez, parce que j'ai d'autres propositions à la limite. Là, on a la version.